À 4 jours du choc face aux Bleus, la tension semble être montée d'un cran dans le camp sud-africain. Dérogeant à ses habitudes, le staff des Springboks a ainsi décidé de garder mystérieuse sa composition d'équipe jusqu'à l'avant-veille de la rencontre au Stade de France. Présent en conférence de presse, l'ancien sélectionneur et désormais directeur du rugby sud-af, Rassie Erasmus a également légèrement durci le ton, semblant vouloir mettre la pression sur l'arbitre du match. Le néo-zélandais Ben O'Keefe. L'ancien troisième ligne elle a en effet accusé les Bleus d'exagérer certaines situations. La France ne joue pas un rugby violent. Ce que les Français font de bien, c'est que quand il y a une situation de plaquage, ils le montrent à l'arbitre. Je pense qu'ils simulent parfois, ce qui est intelligent, a-t-il ainsi lancé, ajoutant, dans certaines situations, l'arbitre va ainsi avoir recours à la vidéo, et c'est là où les Français sont malins. Ils n'utilisent pas de mauvais tours dans les mêlées ou dans les mauls, ils sont juste physiques. Et c'est le genre d'équipe qu'on respecte et qu'on veut affronter, a-t-il précisé, avant d'expliquer la raison du secret entretenu autour de la composition d'équipe, c'est tactique. Nous voulons nous assurer que pour chaque poste, nous avons quelqu'un de bon et en forme. Et sur certaines positions, nous ne savons pas encore quelle sera la meilleure option.